Moi, je marche uniquement entre des arbres. Oui, bon. Alors, oui, Jacques Chancel, si je dis que ce livre, c'est votre journal pendant l'année 77, bon, je pense que vous allez me reprendre sur le terme journal. Non, c'est-à-dire journal. Si l'on considère le thème de l'émission journal intime, bien évidemment, comme le disait François, ce n'est pas un journal intime. Je considère, moi, que c'est un regard. J'ai fait un pari, je me le suis fait à moi-même. C'est-à-dire d'aller d'un bout de l'année à l'autre. 1er janvier 77, 1er janvier 78. C'est-à-dire de m'imposer un espace. Car autrement, je n'aurais pas pu tenir. Là, je me suis obligé, je me suis discipliné pour une seule et bonne raison. C'est qu'on m'avait demandé, qu'on me le demande à, je crois, on pourrait dire à n'importe qui d'écrire mes mémoires. Et que j'ai eu la coquetterie de répondre que j'étais trop jeune. Et qu'à ce moment-là, on a un peu insisté en disant, vous envoyez des questionnaires. Ils vont vous interroger. Et j'ai dit... que je ne voulais pas d'un livre magnétophone, car, mais c'est très personnel, c'est très subjectif, et il y en a qui sont tout à fait remarquables, c'est pour moi une forme d'imposture. Donc je me suis mis à écrire, et je remercie et les mémoires et les livres magnétophones, car ils m'ont condamné à écrire. Bon, alors cet ouvrage, c'est alors une série, une série de temps forts d'un regard sur des hommes et des choses que vous avez approchées, principalement dans votre vie professionnelle. Oui, tout à fait. Je me suis promené, j'ai promené mon regard, je me suis attardé. Je ne prétends pas être allé du côté de l'essentiel tout le temps, mais je crois que le titre indique bien ce qui s'est passé. C'est le temps d'un regard, c'est terriblement éphémère, mais parfois c'est également important. Et d'autre part, j'aurais pu parler peut-être de choses qui sont beaucoup plus essentielles, mais je ne les ai pas vues. Cela ne veut pas dire que je n'y ai pas pensé, mais je n'ai pas eu le temps de me précipiter pour les écrire. Je me suis attardé sur ce qui vraiment me prenait, m'attirait, me séduisait. J'ai remarqué qu'il y a un mot qui revient très souvent sous votre plume, c'est le mot « homme ». Par exemple, notre foi en l'homme, faire confiance à l'homme, à la hauteur d'homme, ce sont les œuvres qui justifient les hommes, les bonnes terres de l'homme. Oui, je suis naïf, je suis idiot, je suis enfant. Oui, mais sans doute. Ah, mais j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant on a peur d'employer les vrais mots. Par exemple, il y a des mots, on a peur d'employer le mot amour, on a peur d'employer le mot merci, on a peur d'employer le mot homme. Je crois que ce sont des mots qui sont importants et qui méritent d'être placés et dans les conversations et dans les écritures. D'ailleurs, si l'on considère tous les journaux qui ont été écrits par nos amis qui sont là ce soir, le mot homme revient. Vraiment, le mot amour, la plume de Bourbon-Busset. Oui, mais alors, si l'on considère Jacques Bourbon-Busset, Marcel Jouandeau et Claude Mauriac, là, on entre véritablement dans le journal intime. Oui. Et je veux dire qu'il faut avoir à la fois beaucoup de talent, beaucoup d'impudeur remarquable pour entrer de cette manière-là dans sa vie privée. Et il faut être courageux d'une certaine manière. Moi, je n'ai pas ce courage. Bon, alors, vous avez, je retrouve ça sous la plume de vos confrères, vous avez le don d'amitié, le don de sympathie. Oui, mais vous savez, Antoine Blondin, lorsqu'on lui demande quelle est votre profession, il dit amitié, ami. Et alors, effectivement, vous parlez avec beaucoup d'amitié de gens, d'ailleurs, qui sont tout à fait remarquables, comme Joseph Delteille, comme Minuit, comme Monterland, Chagall, etc.